Salut, c'est Thomas Rozek. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. 12 millions d'élèves font leur entrée aujourd'hui. Comment vous vous sentez ? Est-ce que tout est prêt ? Je me sens bien parce que le jour de la rentrée scolaire, ça doit être un jour heureux. Et ça doit l'être pour l'ensemble des enfants. Vous savez, je parle toujours d'école de la confiance. Je souhaite d'abord une bonne rentrée à tout le monde, aux enfants comme aux parents. Et je pense qu'on doit l'aborder en confiance. Et finalement, notre premier but, c'est de donner confiance en nous-mêmes aux élèves. Régulièrement, les programmes scolaires, le contenu des cours dispensés aux élèves, font l'objet d'une attention accrue de la part des politiques, des médias, des commentateurs de l'actualité ou du grand public. On en a encore eu la preuve tout récemment, lors de la mort de Jacques Chirac, puisque le ministère de l'Éducation nationale a proposé quasi immédiatement sur un portail dédié du matériel pour que les profs qui le souhaitent consacrent une séance au président défunt. Ça a été largement discuté. Cette apparente plasticité et réactivité cache cependant une réalité un peu plus rigide. La réforme du lycée, enclenchée cette année, n'a en rien entamé les bonnes vieilles habitudes académiques françaises. Voire, elle les a confirmées, accentuant encore plus le décalage avec une société qui, elle, bouge, s'interroge, aspire souvent à plus d'inclusivité, à plus d'égalité aussi. Alors comment faire bouger les lignes des manuels scolaires ? Qu'est-ce qui fait que ce qu'on y trouve nous semble parfois en retard, voire à rebours du monde qui nous entoure ? Quel regard les profs, en première ligne, porte sur ses contenus. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Restons sur la dernière des questions que je posais à l'instant et allons donc en discuter avec une prof. Mon regard est assez sévère sur la question. Anaïs Maïfer, en l'occurrence, qui enseigne les lettres en lycée à Villeneuve-la-Garenne, en banlieue parisienne. Et j'ai commencé par lui demander ce qui, dans les programmes, avait concrètement changé avec la réforme du lycée cette année. Techniquement, en français, ce sont les objets d'études qui ont changé au lycée. En seconde, essentiellement, ce sont les objets d'études qui ont changé. Ils sont a priori moins fermés. Je vous donne un exemple. Les précédents programmes, on avait vraiment des mouvements littéraires spécifiques à étudier, qui étaient nommés. Maintenant, c'est juste une fourchette. Par exemple, sur la poésie, on était sur du romantisme au surréalisme. Maintenant, on a une fourchette qui, en plus, dans la chronologie, a changé. C'est la poésie du Moyen-Âge au 18e. Après, pour les programmes de première, là, il y a eu une grosse évolution, puisqu'on est revenu à un programme imposé. Alors, semi-imposé, puisque dans chaque objet d'étude, donc dans chaque genre littéraire, il y a 4 œuvres et on doit en choisir au moins une. D'accord. Là, on a perdu une part de liberté à cet endroit-là, quoi. Justement, ça devance un peu ma prochaine question, qui était quelle part de liberté vous avez en tant qu'enseignante, en tant que professeur, pour partir de ces programmes et après, quelque part, les transmettre, les transformer éventuellement face à une classe ? Sur les objets d'études de seconde, techniquement, on a une liberté qui est très, très large. Après, on est censé rester dans la littérature française, francophone, le mot apparaît là dans les programmes. Du coup, ça nous ouvre un peu plus de portes. Maintenant, littérature francophone du Moyen-Âge au 18e, en fait, en réalité, c'est de la littérature française. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, il n'y a pas beaucoup de largesse. En revanche, ça prévoit aussi des regards, pour le coup, alternatifs. C'est-à-dire, il y a les textes qu'on va étudier vraiment. Et puis, on a le droit d'amener des pièces à droite, à gauche, pour comparer. Et là, on a beaucoup plus de liberté. Donc, si j'ai envie de faire un corpus sur la poésie du Moyen-Âge et ensuite d'aller comparer avec du rap amoureux, je peux tout à fait, en tout cas sur le même thème, je peux tout à fait introduire ça à cet endroit-là. Avec la petite limite que les programmes sont ambitieux et qu'en fait, techniquement, ces regards alternatifs, souvent, c'est ceux qui sont obligés de sauter parce que sinon, on n'a pas le temps de finir. Voilà. Sur les premières, il y a ces œuvres imposées, mais à côté des œuvres imposées, on a théoriquement des parcours qui sont au choix de l'enseignant, mais avec des problématiques qui sont imposées. Donc, sur le programme de première, clairement, on est beaucoup plus restreint. Dans quelle mesure vous diriez que ces programmes, ils suivent ou ne suivent pas les évolutions de la société, les évolutions de la perception de la société sur, par exemple, les notions d'inclusivité, les notions d'inégalité, qu'on entend plus aujourd'hui, notamment pour les inégalités hommes-femmes. De quelle manière ils s'adaptent ou ne s'adaptent pas, d'ailleurs, peut-être. Oui, je suis assez sévère sur mon regard est assez sévère sur la question. Si on regarde du coup les programmes imposés, parce que encore une fois, pour la seconde, on est assez libre. Donc encore faut-il avoir accès à un texte
du Moyen-Âge écrit par une femme, ça c'est encore autre chose. C'est autre chose. Mais pour les programmes imposés, parmi les 4x4, 16 auteurs proposés, il n'y a que 3 femmes. Ouais. Voilà, Madame de Lafayette, Nathalie Sarraut et Marguerite Duras, je crois. Voilà. Pour le reste, tous les autres, eh ben, c'est ce qu'on appelle très bien, et on remercie l'étymologie, la littérature patrimoniale, celle qui descend du père et uniquement du père. Et ouais, ça fait pas beaucoup de place, quoi. Ouais. Donc c'est uniquement dans le roman, en plus. Moi, je trouve ça très discutable. Voilà. Et après, par ailleurs, c'est de la littérature franco-française à l'exception de Beckett. Évidemment, pas de Césaire, évidemment, pas de Senghor, évidemment, voilà. Pas de littérature dite francophone, en fait. Est-ce que ça crée, du coup, des incompréhensions, des fois, avec les élèves, ou est-ce que vous avez la sensation d'être en train d'appliquer des programmes qui, quelque part, n'entreront pas du tout en résonance avec eux ? Ça peut l'être. C'est un peu quitte ou double. C'est-à-dire, soit ils ont l'habitude de subir un programme qu'on leur impose, qui leur semble totalement hors sol. Mais pour eux, c'est normal, c'est l'école. Soit, effectivement, il y a plusieurs fois, et ça s'est à chaque fois présenté pour quand je travaillais sur Racine avec des élèves de seconde, ce qui pour moi est un gros problème parce que je trouve ça génial. Mais à chaque fois, Racine, c'est vraiment, j'ai l'impression de leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin, quoi. Et régulièrement, c'est une question qui revient. Mais pourquoi on travaille Racine ? Parce que le texte est difficile et qu'il peine énormément sur l'Alexandrin de Racine. Et puis sur des problématiques qui leur sont très étrangères, évidemment. Là, ouais, ça revient dans ces cas-là. Sinon, ils ont tendance à subir, plutôt. Ouais. Est-ce que c'est un sujet, du coup, de discussion entre profs, de se dire, alors, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire bouger ? Comment faire, à notre niveau, bouger les lignes par rapport au programme ? Entre profs, oui. Bon, vous savez que les profs, on aime bien râler, évidemment. Donc, au moment où les programmes nous sont livrés en janvier dernier, qu'il y a une formation avec des inspecteurs, évidemment que dans les rangs, ça bouge un petit peu, où on ne peut pas s'empêcher de réagir en disant « Mais pourquoi il n'y a pas de femmes ?» Et encore, quand il y a des femmes, c'est des femmes qui parlent d'amour, et c'est d'un cliché absolument affligeant. Donc oui, on en parle. Après, chaque prof est unique capitaine de sa classe, donc oui. Chacun fait un peu son travail dans son coin. On partage évidemment des trucs entre collègues, mais c'est pas non plus une discussion qui est, en tout cas dans les établissements dans lesquels j'ai travaillé, ça mène pas non plus beaucoup de projets, quoi. Est-ce que ça reste encore à construire cette révolution des programmes ou cette évolution des programmes ? Est-ce qu'il y a pas mal de profs encore qui n'ont pas forcément conscience du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on propose et ce que la société est en train de traverser ? Je pense que ça, pour le coup, ça va être générationnel. Ouais. Ne serait-ce que parce qu'à l'université, il y a une génération qui a fait de la littérature comparée, et puis la génération précédente, pas. Et ceux qui ont fait de la littérature comparée sont ouverts à la littérature d'ailleurs, hors champ franco-français. Et du coup, forcément, eux sont amenés à nourrir leurs cours et à nourrir leurs réflexions, évidemment. Après, il y a toujours des enseignants qui ont les mêmes cours, les mêmes descriptifs, qui vont pas changer, qui vont continuer à faire du Beaumarchais, du Molière et pas bouger d'un poil. Est-ce que c'est forcément un problème ? Est-ce que finalement, Molière, on peut pas s'y retrouver ? Il y a une forme de modernité aussi, je pense, dans ces textes, et c'est pour ça qu'ils restent. Donc, il faut pas forcément peut-être tout changer. La manière d'entrer dans les textes, par contre, ouais, effectivement, ça, je pense qu'il y a un travail là-dessus, de toute évidence. C'est-à-dire la manière d'entrer, c'est la manière de les présenter, la manière de les contextualiser. De problématiser l'œuvre, de leur présenter. Je parlais du théâtre, le texte de théâtre, il n'y a rien de plus plat et il n'y a rien de plus terrible à lire pour un élève. C'est aussi ça, du coup, réussir à montrer des vidéos peut-être, réussir à faire des enjeux de mise en scène, faire des parallèles avec des scènes de films, enfin voilà, essayer de nourrir avec quelque chose de plus contemporain. Sur Beckett, j'ai pas mal travaillé en attendant Godot, et il se trouve qu'il y a un petit jeu vidéo en fait en attendant Godot, qui est aussi absurde que l'œuvre, et c'est tout le principe. Donc ça, généralement, je le renvoie en introduction par mail assez rapidement, pour un petit peu les faire réagir, et puis ceux qui se sont prêtés au jeu comprennent après vachement mieux l'enjeu de la non-fin. Enfin voilà, c'est assez marrant, quoi. Il n'y a pas toujours
il n'y a pas toujours un truc aussi pratique que le jeu vidéo sur Beckett, évidemment. Mais ouais, faut, on essaie de chercher un petit peu des petits... Y aller en frontal, c'est très difficile, quoi, clairement. Le cours descendant, il faut passer par là de temps en temps, mais ouais, c'est très difficile, bien sûr. Oui, de manière générale, j'ai l'impression que ce dont l'école, surtout le secondaire, a besoin et souffre, c'est d'un manque d'horizontalité. Il ne s'agit pas de dire que les élèves et les profs sont à mettre à la même hauteur, parce que ce serait extrêmement démagogique et un petit peu idiot, mais d'amoindrir légèrement la verticalité que nous, on a pu connaître, par exemple, comme élève. Ouais. Ce qui est une grande difficulté, parce que justement, nous, on l'a connue, cette verticalité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se disent qui restent accrochés à cette image-là. C'est à mon tour de faire descendre mon savoir. Moi, j'ai fait des études, moi, j'ai passé tel concours. Moi, je ne sais pas vous. Vous n'avez pas les mêmes réflexes, vous n'avez pas les mêmes références. Et en même temps, du coup, là, ça devient... plus seulement du descendant, c'est que ça devient vraiment du frontal, quoi. C'est opposer un système de référence à un autre, et très vite on se parle plus. Donc oui, effectivement, il faudrait travailler peut-être, si ce n'est à une horizontalité, en tout cas, ouais, un système de communication qui soit plus adapté. Ça, honnêtement, ça se fait quand même de plus en plus. Moi, j'ai travaillé uniquement en ZEP, et vraiment avec des collègues qui vont chercher les élèves, quoi. Et du coup, là, il y a du répondant, et c'est intéressant, c'est sûr. Au-delà de l'énergie déployée par les enseignants, il faut donc une volonté politique pour faire bouger les choses. Depuis 2013, la conception des programmes scolaires est sortie de la relative discrétion des bureaux du ministère de l'Éducation nationale, avec la création du Conseil supérieur des programmes, une instance paritaire et publique surtout, qui réunit des élus et des experts, et dont la mission est de produire des avis et des propositions avec l'aide de groupes de travail spécialisés. Le ministère garde évidemment la main sur la copie finale, et le changement de majorité politique a entraîné un certain nombre de départs au sein du Conseil, notamment celui de son ancienne vice-présidente, la linguiste Sylvie Plane, que j'ai appelée, et qui porte sur le contenu des programmes du lycée un regard, disons, circonspect. On reste dans la bonne vieille tradition, ce qui n'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant ? C'est pas étonnant parce que la littérature est un objet patrimonial, et très souvent fait l'objet d'études qui sont très sensibles de la part de personnes qui sont très sensibles aux traditions. Donc pour faire bouger un petit peu les traditions, c'est compliqué. Donc c'est pas parce qu'il manque des autrices, c'est parce que on considère que on doit transmettre cette culture patrimoniale en respectant les habitudes de cette transmission. Alors, ce n'est pas l'avis que je partage, mais c'est en tout cas ainsi que ça fonctionne. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au sein des groupes de travail ou du Conseil supérieur des programmes ? Des courants qui sont encore forts ou majoritaires, des courants de pensée ? Les groupes de travail font appel, enfin, d'après la composition que j'ai pu voir, ce sont des personnes qui connaissent très bien l'enseignement supérieur, qui ont été formées par les classes préparatoires et qui donc sont attachées à cette tradition culturelle. Pour la partie qui touchait l'enseignement primaire et le collège, cette tendance était moins représentée. Ça évolue plus vite ? Dans les groupes qui s'occupent de ces niveaux-là. Oui, et puis derrière, il y a aussi la présence de chercheurs qui ont des sujets tout à fait différents. C'est-à-dire que pour l'enseignement primaire et le début de l'enseignement secondaire, il y a depuis très longtemps des chercheurs en didactique qui ont vraiment réfléchi à la manière dont on doit penser ce hiatus entre, on va dire, l'école et la société. Et donc, comment on le traite ? C'est-à-dire que l'école apporte des choses que les enfants n'ont pas dans leur milieu, mais si l'école est très différente de leur milieu, elle écarte un certain nombre d'enfants. Donc, c'est vraiment un dilemme, c'est une question qui est compliquée et qui a été beaucoup travaillée sur ces niveaux-là de la scolarité. Mais pas encore beaucoup dans les niveaux supérieurs, dans les niveaux, on va dire, à partir du lycée. Elle est travaillée, mais elle a beaucoup moins de poids. Les chercheurs qui travaillent sur ces questions sont beaucoup plus isolés,
que ne le sont ceux qui travaillent sur les niveaux du collège. Parce qu'on sait très bien que c'est à la fin du collège que se crée la grande disparité avec des orientations tout à fait différentes. Donc la zone collège a été très très bien travaillée. Mais pourquoi ça n'évolue pas aussi vite alors? Parce que le monde n'est pas parfait. Hein. Oui, ça j'en ai bien conscience. Parce que, comment dire, il y a une tradition scolaire qui fait que, une tradition attachée à l'école qui fait qu'on pense que l'école est là, a une mission de sélection qui est importante. Dans d'autres pays, je parle de l'école moyenne, c'est-à-dire celle qui toute la partie de la scolarité obligatoire. Dans d'autres pays, on considère que tous les élèves peuvent réussir. C'est le postulat de départ. En France, une tradition a été que l'école devait aider les meilleurs à réussir. Donc l'école s'est quand même construite autour de ça. Elle change, hein, elle évolue. Mais vous savez, faire changer des mentalités, il faut un siècle. Hein. C'est fou que... Enfin, j'ai l'impression que du côté des élèves, enfin, moi j'ai été élève quand même quelques années dans ma vie, c'est pas du tout l'image qu'on nous vend, c'est même publiquement quand on entend les interventions du ministre ou des personnes qui représentent l'éducation nationale, c'est pas du tout cette image-là qu'on nous vend. On nous vend au contraire l'école républicaine, l'école de toutes les chances, l'école où tout le monde peut réussir. On nous vend exactement l'inverse que ce que vous êtes en train de me dire. Oui, mais c'est normal qu'on essaye de faire passer cette idée, hein. Ça me paraît tout à fait normal, mais si on regarde... la réalité des chiffres, c'est pas tout à fait ça. Mais ça tient au fait que il y a vraiment beaucoup d'exigences de la part de l'école. Et à chaque fois, je reviens vraiment à la question des programmes. À chaque fois que on détermine des exigences, on est obligé de se positionner par rapport effectivement à des attentes. Enfin, je vais être plus précise. Si vous faites un programme scolaire pour un niveau d'âge donné, vous avez le choix entre donner comme objectif ce qui peut être atteint uniquement par une petite minorité d'élèves, on va dire les meilleurs, en disant que ça va être un stimulant et qu'on va essayer de faire parvenir tous les autres à ce niveau. Ça, c'est un des choix possibles. L'autre choix possible, c'est de se dire on va se fonder sur le niveau moyen, c'est-à-dire on va donner comme objectif l'apprentissage de ce que la majorité des enfants sont capables d'apprendre à tel ou tel âge. Par exemple, si vous faites un programme en mathématiques, vous allez vous servir des résultats de recherche qui disent que à tel âge... la majorité des enfants sont capables de réaliser tel type de problème mathématique, etc. Et vous fixerez ça comme objectif. Ou bien vous pouvez vous dire, je veux augmenter le niveau des enfants, et donc je vais leur fixer un but qui sera celui qu'atteignent aujourd'hui les meilleurs élèves. Donc il y a toujours cette possibilité-là. Et la France a toujours choisi d'aller vers l'excellence, on va dire. Donc, quand on regarde les statistiques internationales, la France a d'excellents résultats dans la crête supérieure, c'est-à-dire qu'il y a un petit nombre d'élèves qui réussissent en France des performances extraordinaires et qui les placent au-dessus de tous les autres. Mais si on regarde maintenant la moyenne est plutôt en bas. Quand on fixe des exigences très très élevées, on n'est pas absolument sûr d'élever tout le monde, mais on est sûr de faire réussir les meilleurs. Est-ce que c'est cette focalisation sur le souci d'excellence, on va dire le besoin d'excellence, qui explique que le caractère républicain et donc le fait de se mettre au diapason des évolutions de la société et de former non pas des superstars de la réussite, mais des citoyens tout simplement, passe au second plan? Est-ce que c'est selon vous cette tension entre les deux qui explique qu'il y en a eu un des deux l'emporte sur l'autre en fait? C'est possible, hein, mais c'est possible que ce soit ça. Parce que là, c'est vraiment des conceptions de la société. Bon, y a une expression qui est quand même très bizarre, qui est presque un oxymore, élitisme républicain, qui est
tout à fait inscrite dans les mentalités politiques, enfin de beaucoup de courants. Et à partir du moment où on essaie de dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est très difficile de se faire entendre. Se faire entendre, c'est d'autant plus difficile avec un ministre de l'Éducation nationale qui, si on en croit l'avis d'une part grandissante du corps enseignant, ne brille pas par ses capacités d'écoute. On a quand même tenté, je tiens à le préciser, d'avoir l'avis du ministère sur la question des programmes. Ça n'a pas été un grand succès. Non, tu fais quoi ? Voilà, maintenant, là, je vais appeler le service de presse du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est bien eux ? Afin de savoir si quelqu'un au Conseil supérieur des programmes serait disponible pour nous parler. Oui, bonjour madame. Allô. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Bonjour, je m'appelle Lauren Bess, je travaille pour Binge Audio. Je vous ai appelé hier à propos d'une demande pour quelqu'un qui s'occupe des programmes scolaires. Vous avez envoyé le mail hier ? Tout à fait. Je peux appeler les filles et demander parce qu'il y a une flèche avec la demande. Répondu, je crois, non ? En tout cas, moi, j'ai pas reçu de réponse. Binge Audio, qui a géré Binge Audio ? Tu peux mettre le filtre, hein ? Je suis en attente. Je pense que c'est le silencieux. Ils ont silencié ton appel. Ne quittez pas. Merci. Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous vous prions de patienter. Nous recherchons votre correspondant. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame, je m'appelle Lauren Bess, je travaille pour Binge Audio. Oui, c'est ça, parce que c'est moi qui vous ai eu au téléphone la dernière fois. J'étais en train de vous répondre justement. Voilà, pour vous dire que malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre favorablement à votre demande. Et voilà, comme je te l'avais dit. Par ailleurs, si la question du rôle de l'école dans la perpétuation des normes, et notamment des normes de genre, vous intéresse, je ne peux que chaudement vous inviter à écouter le troisième épisode de notre podcast Camille, baptisé « À l'école, être hétéro ou ne pas être ». Merci à Anaïs Maïfer et Sylvie Plane pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.